Salut, salut les amis, bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous allons faire une très bonne variété de pommes de terre. Ça s'appelle du topinambour. C'est ça ici. Ils vont se faire avec du haricot vert, du poulet. Et pour réaliser notre recette, nous avons besoin des poivrons, des oignons, de l'ail. Du sel aromatique comme chèvre, du poivre blanc et des épices de maman comme chèvre. Je veux dire les herbes séchées telles que l'oregano, le feu de laurier et du basilic séché. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Catherine avec nous. C'est une très grande cuisinière. Elle va aider maman comme chef à découper les oignons et faire des petites taches. Restons connectés pour la suite. Dans notre casserole, nous avons aromatisé notre poulet avec des herbes et des épices de maman comme chef. Les épices de maman comme chef, la recette, vous les avez déjà sur Cuisine comme chef YouTube. Nous allons y ajouter des oignons, des feuilles de gingembre. Et nous allons, n'est-ce pas, ajouter de l'eau dans notre casserole, comme vous avez vu tout à l'heure. Et nous allons ajouter un peu d'huile. On peut encore ajouter des oignons parce que Catherine nous découpe les oignons progressivement. Nous ajoutons également des oignons. Et nous retournons, nous baissons le feu et nous recouvrons notre casserole. On va laisser cuire. Entre-temps, Catherine a déjà découpé. Des poivrons, nous allons le hacher. Après avoir haché nos poivrons, voilà. Là, notre poulet a bien commencé à régénérer de l'eau du poulet. Donc, le poulet se cuit avec son propre eau, l'eau du poulet. Et nous allons y ajouter des poivrons hachés. Nous allons maintenant découper les tomates finement. Dans notre casserole, nous allons ajouter du sel aromatique comme chef, du poivre blanc et des aromates. Nous allons bien mélanger en nous rassurant que ça ne crame pas. Nous allons recouvrir notre casserole et nous allons passer aux haricots verts. Nous allons faire cuire nos haricots verts pendant seulement 3 minutes parce qu'on n'a pas besoin de le cuire longtemps. C'est pour garder également la couleur et conserver les minéraux nutritifs des haricots verts. Sur le côté, on va faire l'assaisonnement pour le topinambour. Je veux dire des pommes. C'est une très vieille variété de pommes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va assaisonner avec nos ingrédients, huile et sauce de soja, citron et un peu d'herbe aromatique. Et nous allons disposer nos topinambours pré-cuits dans notre assiette allant au fond. Et on va également y mettre nos poulets déjà bien cuits et bien assaisonnés là-dessus. On va disposer ça sagement, gentiment, généreusement. Là, nous avons de la sauce de poulet. Là, nous avons nos poulets dont nous avons déjà passé au four. Il est bien grillé. Là, nous allons servir maintenant. Ici, nous avons un petit plat de salade au radis dont nous avons bien râpé. Là, nous avons nos haricots verts que nous avons cuits avec un peu du sel, du riz. Et nous allons nous régaler de notre jolie assiette de topinambour aux haricots et au poulet. Voilà les amis,
notre plat déjà bien dressé. Nous allons juste passer à table. Nous allons nous régaler. On va manger à volonté. Likez si vous avez aimé. Partagez la recette. Ne gardez pas les secrets pour vous tout seul. Je me manque comme chef. Les yeux mangent avec. Et on se dit à la prochaine pour les prochaines recettes.